Salut, 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 salut. Salutations mes chers amis. Aujourd'hui, je me lance dans un truc, mais alors je sais absolument pas ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave, on va tenter quand même. Nina a... Alors là, il y a du produit, parce que je vais dégraisser avant, bien sûr. Nina a la peinture qui est complètement éclatée sur la portière arrière droite, avec une énorme rayure. Je vais nettoyer donc le plus proprement possible cette partie-là. Ensuite, j'ai acheté... Alors, j'avais une perceuse, bien sûr, depuis longtemps. J'ai acheté un petit... C'est tout petit, comme pour travailler. Alors là, ça va, parce que j'ai pas beaucoup de surface, mais pour les grandes surfaces, c'est juste impossible. Mais donc j'ai acheté un petit kit tout con sur internet, vraiment un truc à pas cher. Mais bon, pour cette voiture-là, on va tenter le coup avec ça, on verra bien ce que ça donne. Donc il y a un petit pad qu'on fixe sur le mandrin de la perceuse. Et puis j'ai avec différents disques, je vous montrerai un peu plus précisément, différents disques de différents grains pour pouvoir poncer. Donc qui viennent se scratcher ici. Et puis après, hop, on ponce, on voit ce que ça donne. J'ai jamais fait poncer, c'est pas forcément mon fort non plus. Vous le savez maintenant depuis plusieurs épisodes, je suis pas forcément le plus manuel du monde. Donc j'ai quand même acheté une bombe de peinture en conséquence avec la voiture. J'ai bien sûr une bombe d'après, du vernis également. Enfin, j'ai voilà, tout anticipé, tout prévu pour essayer de faire ça pour le mieux, mais je ne garantis rien, étant donné que je découvre complètement le monde de la carrosserie. Voilà, mais sur cette voiture-là, c'est pas grave. Je vais faire de mon mieux et ça sera toujours mieux que ce que c'est là. Donc déjà, bah, nettoyer, hop, le mieux possible la surface. Et il y en avait besoin. Donc c'est du dégraissant multi-usage classique, hein. C'est un truc pour nettoyer toutes les surfaces, qui marche plutôt bien d'ailleurs. Et donc, parce qu'on va passer à la suite tout de même. Donc voilà, comme je vous disais, dedans j'ai différents disques de ponçage avec des grains différents. Donc là c'est du 1000, c'est du très très fin, hein, d'après ce que j'ai compris. Hop. Et moi, pour commencer, je vais partir, je pense, sur du 80. J'ai du 60 aussi, mais 60, ça va vraiment poncer costaud. Et je pense que du 80 devrait suffire. On va essayer comme ça, on va voir. Quand je vous dis c'est un kit à pas cher, voilà, c'est du petit plastique comme ça qu'ils ont fourni avec. Il y a les disques dedans et puis il faut se servir au fur et à mesure qu'on a besoin, quoi. Hop. Bon, en espérant que ça filme encore, je me suis aussi acheté des masques de protection pour pouvoir poncer, pour éviter de prendre tout dans la tronche. Hop, en espérant que la caméra, elle, ne soit pas trop touchée. Avec la petite pince qui va bien, et du coup, j'ai l'impression de... On a parlé comme Daffy Duck. Ah bah, on peut se plaindre des masques pour le Covid, mais enfin ceux-là, pour respirer, bon courage, hein. C'est pas la même, hein. Allez, c'est parti, on va tenter le coup. Ah, on a un problème. Un problème de taille, on a déjà tout perdu, ça y est, ça commence. Voilà, là je pense que ça sera quand même nettement mieux, ça m'évitera de faire n'importe quoi. On recommence. Que j'ai peur, c'est de trop creuser la surface en fait. Oh, ça a l'air d'aller. Faut que j'aille mollo, quoi.
Ouais, par contre, il est vite abîmé le 80. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai bien avancé déjà. On y retourne avec un nouveau disque de 80 propre et puis on va essayer de travailler un peu plus large parce que d'après ce que j'ai compris, pour bien faire, pour uniformiser au mieux la couleur, même si je pense que mon résultat sera vraiment pas ouf, mais ça sera toujours mieux que ce que c'était. Pour bien uniformiser, je vais bosser une surface un petit peu plus large pour voir si je pourrais bien rattraper derrière. Et là, j'ai encore des points de rouille que j'arrive pas à enlever. En commentaire, bah vous me direz si j'ai trop poncé, pas assez poncé. Mais ça me fait presque plaisir de partir de très très peu d'expérience. C'est-à-dire que j'ai quasiment pas regardé de vidéo en fait sur le sujet. Donc je me dis si j'arrive à faire quelque chose de bien sans avoir regardé plus que ça comme on faisait, c'est que je suis peut-être pas si mauvais. Bon, déjà là au moins j'ai mis à nu, ça on peut pas dire le contraire. Ouais, au toucher on sent quand même hein, les rayures que j'ai faites. Peut-être mettre un petit coup d'un autre grain quand même. Un grain un peu plus... Je sais pas ça d'ailleurs. Est-ce que je mets un petit coup de 120 par exemple? Je me dis que c'est quand même mieux si la surface est relativement lisse, histoire que ça paraisse pas granuleux derrière. Si j'arrive à ouvrir ce truc. De toute façon, tout ce qui est complètement enfoncé dans la portière, je vais pas m'embêter à essayer de redresser ça. Au contraire, avec le mastic, je vais essayer de mettre un petit peu plus de mastic pour combler le truc en fait. Hop. A few moments later. Ah oui, c'est mieux. C'est nettement mieux. Entre en dessous, là ça accroche. Ah, là c'est mieux, c'est beaucoup plus lisse. On passera un bon coup de chiffon et de dégraissant après. Pas mal. Ça, on essaiera de le cacher tant bien que mal. Bon, ok, opération ponçage, on est pas mal. Je n'ai aucune idée de si je dois comment mettre le mastic, etc. Ça va être vraiment de la découverte totale. Je fais une mini pause et je vous reprends juste après. Alors, ça promet, je me suis lancé sur le mastic. Sachant qu'il commence à faire bien sombre, c'était le meilleur moment pour commencer à faire ça. Et je suis un ouf, je continue. De la même manière, je vous fais confiance pour me dire en commentaire si j'en mets 3 tonnes ou pas. Je me rends pas trop compte. J'essaie juste de faire un truc qui soit à peu près plat par rapport au reste de la portière. Puisque de toute façon, c'est le but de l'opération au départ. Donc pour le mastic, d'après ce qu'ils expliquent, il faut mettre du mastic, un petit peu de durcisseur. Ils donnent les proportions sur la boîte. Et puis advienne que pourra. Là, j'ai tartiné. Hein. Thank you.
Vous avez tout à fait le droit de critiquer mon travail. Il n'y a aucun problème. Faites-vous plaisir, parce que là, à mon avis, il y a beaucoup de choses à redire. Donc, si vous avez des conseils, je suis preneur. S'il y a un carrossier qui passe par là, ou un carrossier amateur, mais bien plus expérimenté que moi, avec grand plaisir aussi, mettez un petit message, un petit conseil, un petit avis. Ça vous prend trois fois rien dans les commentaires. Et moi, ça m'aide, ça me permet d'apprendre aussi. Même si c'est vrai que j'aurais pu me documenter un petit peu plus avant de commencer à travailler, mais bon, je me fie à ce qui est noté sur les notices des différentes choses que j'ai achetées. En fait, finalement, bon, bah, poncer ça jusque-là, je pense que je me suis pas trop mal démerdé, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Le mastic, bah, j'ai suivi tout bêtement ce qu'il disait de faire comme mélange et puis comment l'appliquer. Il disait de ne pas combler totalement le trou, donc bah, du coup, j'ai pas comblé totalement, j'ai laissé un petit peu. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. En tout cas, c'est pour être sûr de ne pas trop en mettre et de ne pas avoir trop à poncer derrière. Mais peut-être qu'il va falloir, une fois que j'aurai laissé sécher, donc un quart d'heure, et que j'aurai poncé de nouveau à la cale, peut-être qu'il va falloir que je remette un petit peu de mastic quand même et de recommencer l'opération. Et si c'est le cas, de toute manière, quoi qu'il arrive, je m'y remettrai que demain. Là, je vais laisser sécher son petit quart d'heure qui va bien. Aller me chercher une cale avec du papier à poncer aux grains qui sont conseillés. Alors, je ne sais plus ce qu'ils disent. Je crois qu'il faut... si ma mémoire est bonne, du 120 au début, du 240 après, ou un truc du genre. Mais je vais le faire à la main quand même. Et puis de toute façon, après, il fera nuit. Donc vous verrez rien, moi je verrai rien. Et il faut tout ranger. Et donc voilà, ça va être le bazar. Satanée heure d'hiver. Donc on continuera demain de toute manière. Parce que franchement, j'ai envie de voir où est-ce que ça mène cette affaire. Voir le résultat final, si j'arrive à faire un truc qui est cool ou si c'est un vrai carnage. Ça m'intrigue. Je vais chercher une cale, le papier en conséquence, et puis je vais poncer. Mais je suis pas sûr que ça. Non. Enfin, c'est pas du tout sec, même. Je mets les doigts comme ça directement dedans, qu'elle andouille. Mais c'est pas du tout sec, quoi. Donc, ou sinon, attendre gentiment demain que ça soit sec, peut-être. Parce que là, c'est vrai qu'en plus, avec la température qui a rediminué ces derniers temps, vu que on est en automne, et qu'en principe je suis même pas censé faire ce que je suis en train de faire à cette température-là, je me racle le mastic sur les doigts au passage. Donc voilà, c'est pas forcément le moment idéal non plus pour faire ce genre de travaux sur une carrosserie, mais comme je vous disais, c'est cette voiture-là, donc je m'en fous un peu en fait. Si le résultat est moyen, au moins j'essaye, je m'entraîne, je découvre. Voilà, donc là à mon avis, oui, au niveau du temps de séchage, il va falloir bien plus d'un quart d'heure pour que ça sèche. Parce que si je reviens ici au tout début quand je suis passé, ouais, vous voyez là c'est encore tout, c'est pareil, c'est pas encore, pas tout à fait, ça a bien avancé mais c'est pas encore sec. Donc je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir, je vais laisser sécher gentiment. Je suis en train de me demander si je mettrai pas, j'en profiterai pas pour mettre aussi un peu de mastic ici et ici en bas, quand même. Histoire que ce soit fait, je sais pas trop, vu que ma boîte est ouverte et mon durcisseur est à portée de main, oui, faisons ça maintenant, et comme ça demain on passera à la partie la plus sérieuse, même si j'avais dit au départ que je travaillerais élément par élément et que je m'attaque quand même à la portière avant droite. Bref, j'arrive. En fait, ce que je suis en train de me demander, c'est est-ce que j'ai été assez généreux en durcisseur. J'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que ça met autant de temps à sécher, à durcir. Mais bon, c'est vrai qu'il fait 15 degrés là dehors, donc c'est pas une super température non plus. Alors, on va voir si on peut rattraper ici aussi un peu le carnage. J'en ai fait trop, donc je vais en profiter pour retourner ici au bout où j'en avais pas mis assez. J'en avais plus assez sur la fin. Tout à l'heure, je mets par-dessus du mastic qui a déjà commencé à durcir et à sécher. Là aussi, je pense que vous allez me fusiller dans les commentaires. C'est pas que j'insiste pour que vous mettiez des commentaires, mais c'est ce que je vous dis. Faites-vous plaisir, c'est là pour ça. Je me prends pas la tête, vous pourrez critiquer autant que vous voudrez, je sais très bien que je fais un truc amateur à mort en fait, mais c'est pas grave, j'assume, je tente. C'est clair que je vais pas faire ça sur la Celica, franchement ça me ferait chier de le faire moi-même parce que je pense que je fais n'importe quoi, mais
Ça, je laisserai un carrossier professionnel pour ce qu'il y a à faire sur la Celica, c'est sûr. En fait, c'est là, c'est comment combler. Là, la rayure, elle est vraiment très très profonde. Alors, comment combler ça? Voilà. Après, je vous fais une petite rubrique. Le saviez-vous? La Celica a été designée aux États-Unis, en Californie, pour Toyota. C'est Toyota aux États-Unis qui l'a fait. La Honda, j'en ai aucune idée. Voilà. Pour Nina, je ne sais absolument pas ce qu'il en est. Bon, bah écoutez, je crois que hop, je vais vous ramener vers moi. Voilà, donc bah il va être l'heure de ranger un petit peu tout le bazar parce que là le soleil est en train de se coucher. Je sais pas si vous allez voir là-bas, si ça va vous faire une jolie vue. Waouh, magnifique. Vous voyez, le soleil se couche. Et qui dit le soleil se couche dit bientôt je vais plus rien voir, donc je vais pas continuer à bosser ça maintenant. On va laisser gentiment sécher et puis demain on se pointera avec une cale, du papier à poncer et puis poncer tout ça pour essayer d'égaliser, de rendre le truc le plus lisse possible. Et puis bah, d'après la notice derrière, hein, c'est la partie après, peinture, vernis, sachant que entre temps il y a aussi une étape de ponçage à l'eau d'après ce que j'ai vu. Histoire d'y aller gentil avant de pouvoir appliquer le vernis. Voilà, donc ben, on regardera ça ensemble. Et puis moi, je vous dis salut!